Réveillé encore. On dort debout. Ouais. On attend les sœurs. Ouais, on a même pas trouvé les Surf Sisters encore. Ouais. On est rough. On est trop ouais, c'est ça. On attend les sisters. Ils sont pas arrivés. Ils sont en retard. Aucun respect. Tu les Surf Sisters? Non, c'est blanc. Pas de pacifique. Check-moi, elle beau bas cette c***ion. C'est eux? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Les Surf Sisters! Les voilà, les Surf Sisters! Bon, ben. Comment on se sent? C'est la note. Pour t'amener nos trucs. Oh my god! Comment on peut monter ça? Ok, prête! On a survécu! Woo! On est des vrais surf girls! Ouais. Les Surf Sisters! Yeah! Ils sont en train de se déshabiller tout nus dans la rue. Ouais, ouais! Il y en a sur le chemin de la journée. Oh, ça a vraiment l'air fatigué. Burger Girls! On est de retour au ferry! Puis les filles sont juste là. On sait pas si on va être capable d'embarquer encore. Pray for us qu'on embarque! S'il te plaît, on veut sortir avec les filles. Ouais, on veut pas rester ici par contre. Le prochain, il est qu'à 8h15, puis il est 5h. On a rentré, what the f***? Officiellement à Richmond, BC. Officiellement dans le ghetto. Ouais, dans le ghetto, dans un coin de rue. Bye! Et on fait un Surf Sister. Surf Sister! Surf Sister un jour, Surf Sister toujours. On s'est donné des caresses, puis là on se laisse. Pour pas pour toujours. Okay, fait que nous, on se laisse. Elles autres s'en allent au IGA. Parce qu'elles peuvent pas se faire assister au hostel, y'a pas rien. Ben, on va compter notre histoire après nous. Quoi? On va vous envoyer des photos de notre maison, nos douches, oui. Notre toilette, oui. Notre cuisine. Oui. Des size! Enregistres-tu? Hein? T'enregistres-tu? Oui. Ok. Manger un autre peanut butter sandwich. Je pense que c'est comme ma dixième. Ouais, sérieux. Sur là, on a de l'explicage à faire. Hier, le content de mon D15, il est bric-à-brac. On est allé surfer, on n'a pas pu filmer rien. C'était super, super, super la fun. Comme la meilleure chose que j'ai faite, je pense, dans une bonne partie de ma vie. Ouais, de notre voyage. Ouais, c'était vraiment comme... Oh, j'ai vraiment aimé ça. J'avais le sourire tout le long. On l'aurait fait toute la journée. On va resurfer un moment donné, c'est sûr. Me soulever trois fois. Me soulever une fois. C'est ça. Puis là, après ça, on avait booké un hostel à Vancouver. On arrivait à comme 8h. Sauf là, on était comme, OK, on voudra pas driver. On va être fatigué. On va juste coucher à Vancouver. Puis Vancouver, c'est assez sketch. On voulait pas coucher dans le van n'importe où. Sauf on avait pris un hostel. Ça a tout pris pour qu'on trouve un parking. On avait plané coucher là avec les filles pour qu'on puisse aller comme à un pub, prendre des drinks, célébrer notre vraiment dernière soirée avec eux autres. Puis là, ben, j'ai eu un petit moment d'angoisse. J'étais vraiment pas bien. J'aimais pas le fait que ma van était juste parkée dans la ville. C'était
sketch, c'était un gâteau là. On a vu quelqu'un se piquer. Ouais, c'était rough. C'était rough. J'aimais pas le feeling que j'avais. Puis on a décidé, ben j'ai décidé que je voulais pas rester. Josiane m'a suivi, m'a supporté. J'avais pas le choix. Puis ben je suis bien contente parce que j'ai bien aimé mieux où est-ce qu'on a dormi. On a drivé environ 2 heures, 1h40. On a drivé à une place où il y avait plein de chars de parking. La soirée a bien fini. Si on n'a pas passé la soirée avec les filles, je m'excuse encore. Je me sens mal, mais on va se revoir. C'était vraiment les meilleurs. On a eu tellement de beaux souvenirs avec eux autres. On va se refaire une sista date, puisqu'on est des surf sista. Tout ça, c'était notre journée d'hier. En ce moment, on est à Silver Creek, aucune idée c'est où, encore au BC. On va driver jusqu'à Castle Gar à soir. Sur le monde, on s'en va tranquillement back à la maison. On a pris une belle douche. Ça oui. On vient de se laver, faire un ménage de lavande. Ça fait du bien. C'est ça. Ouais. Okay, stay tuned. Castle Gar. Woohoo! Cheers. Un de nos derniers repas dans la van. Pour vous. C'est vrai. Ben pas. C'est dans les derniers, là. Ouais, on tire à sa fin. Et bonne nouille encore. Tu peux acheter bon. Un chou-fleur dans un marché. Ouais. Il fait encore très chaud ici. On est en bathing suit, ouais. 30 f- degrees. Ok, so, vu qu'on fait pas rien d'intéressant dans les derniers jours, voici du contenu super intéressant. Je vais vous montrer comment on s'installe le soir. So là, mon lit, il est en couch. Puis là, il décolle tout le temps, il y a des velcro en arrière. So là, étape numéro 1. Faut pas l'oublier, sinon ça y est. On sort le gros sac. J'ai comme un sac avec le couvre-lit, les draps dedans. Là-dedans, dans cette tablette-là. Étape numéro 2. On tire ça. Là, ça s'accote. Étape numéro 3. On enlève le coussin du haut. On le met ici. Faisons un effort ça dans le milieu. Là, le lit est fait. Fais soleil. Fait que là, je tiens. So, là, ça, c'est un gros lit de même. Là, on sort le sac. On ouvre le sac. Là, moi, je pique tout le temps le premier drap à Josiane. Là, on essaie de figurer quel bord qui va. Les coins, s'ils sont sur le bon bord. Je lève le coin. Après ça, je pique le deuxième drap à Josiane. Super! J'ai appris à faire ça. Sur là, après ça, comme ça. Sur là, les deux oreilles sont au bout. Le dos est là. Puis là, moi, je parlais pas. Ouais. Là, je viens à mon bord. Ce gros sac-là, là. Don't mind my bourrelet. Ce gros sac-là, je le pitch en dessous du lit. Puis après ça, on fait. Nos soins de peau. On se brosse les dents. On va faire ça. On a oublié de faire une étape. J'ai oublié de sortir mon pyjama. Celui-là, mon. Mon pyjama, il est dans une boîte en dessous. Sur dessus, je le sors avant de faire le lit. Là, on était trop vite. J'étais trop excitée de faire mon vidéo. Qu'est-ce que je fais? À cause qu'il fait comme 50 degrés dans le ventre.
on a une fan. So là, ce qu'on fait, c'est que j'ai un affaire de même. Il y a encore plein de monde. Ok, désolée, parce que quelqu'un avait gagné sur la vanne. Là, j'ai ça ici. Puis là, on enlève. Là, c'est. Check pas tes sites. T'enlèves ça de même. T'enlèves notre affaire de musique. Là, on met celui-là. Direct de même. Puis là, ça met une petite affaire verte. On met ça ici. Déroule la fan. On la met direct là. Après ça. On la plug. Oh! Plugger. Power on. Puis on la met au bout. Parce qu'on a très chaud. Alors si on met ça de même, puis ça va virer. Puis c'est tout. Bon, so c'est ça qui est ça pour notre routine du soir. Josiane se brosse les dents. Moi, je suis couchée. Puis je suis prête à regarder du Netflix, des épisodes que j'ai demandé l'autre jour à Olive Garden. Non, il y avait une autre place. Aussi, j'en ai. The Spot. Ah oui. Laundromat. Do what you gotta do. Puis j'écoute Inside the Criminal Mind. So là, je t'ai prédicté épisode 1, c'est les Serial Killers. Y a-tu quelqu'un encore? Non, on semble qu'on bougeait. Y a quelqu'un qui joue après notre van. Et demain matin, on s'en va quelque part. Puis on vous dit pas où tout de suite. Ok, là, bonne nuit pour vrai. Bonne nuit. On s'en va voir les Hot Springs! Yay! Celui-là, il est vraiment chaud. Super chaud, chaud. Brûlant. Oh, virer de bord, puis là, on s'en va les rejoindre. This is Rachel, this is Maddie. We met in... On a mangé notre nez, c'était des cannes. Ben, on dirait qu'on a encore faim, nos cannes, ils nous remplissent pas. On aime ça être après! Oh! Ça fait du bien, ouais. En ce jour 18, Ford a eu besoin de sortir son coffre d'outils pour la première fois du voyage. J'ai l'air d'être comme un Père Noël avec ma barbe.